Bienvenue à l'hôtel Fairmont, nous sommes à Monaco, sur le Rocher. Bonjour. Mon chef Alessandro, qui s'occupe de ce restaurant de l'Horizon, on va vous présenter un dessert. Alessandro va vous faire voir, il a une recette vraiment à lui. C'est une recette de pâte à crêpes à l'huile d'olive. C'est vraiment sensationnel. Tout à fait. En plus, il a fait très très fine, très croustillant. Donc vous allez voir, très intéressant comme recette. 4 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sucre. Ouais. Et l'huile d'olive, pour que ça devienne liquide comme ça. Très joli. Hein. Ah oui, tout simple. On l'étale. Donc là, nous, on est équipé de plaques à snacker, mais à la maison, on prend tout simplement une poêle Tefal. Hein. On met sur la poêle Tefal l'appareil et il va cuire exactement de la même manière. Il n'y a pas besoin de mettre la matière grasse, car comme on a déjà l'huile, on n'a pas besoin. Donc, pas de matière grasse dans la poêle, il y a suffisamment d'huile dans l'appareil. Pendant qu'Alessandro fait ses crêpes, moi j'ai pris une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, des quartiers de fraises qu'on a coupées, des fraises coupées en 6-8 morceaux. Je mets mes fraises. Là ça va aller très vite, sans sucre. On n'a pas besoin de sucre. À peine dans la poêle, c'est pratiquement cuit. On met les framboises. Balsamique vinaigre. Vous avez senti ça? Et au bout d'une minute, pas plus, on déglace avec le vinaigre balsamique. Alors là, faut pas avoir peur. On laisse baigner comme ça. Et là, on va laisser réduire. Basilic, ça sent la Provence. Ici sur le coin, jusqu'à temps qu'elle durcisse un peu, vous voyez, ça devient très craquant comme une biscotte. Et là, on va se faire un petit montage. La crêpe. Notre petite fricassée de framboise, fraise, balsamique à notre disque. Et voilà. Et le reste de fruits, on peut se mettre la petite compotée ici, tout simplement. Voilà un beau dessert, pratiquement pas sucré. Uniquement la pâte à Alessandro, où il a mis 2 cuillères à soupe de sucre pour 4 personnes. Vous avez vu la compotée de fruits, pas du tout de sucre. Le seul sucre qu'il y a dedans, c'est le fruit qu'il a. Balsamique, huile d'olive et basilic. Voilà. Nous avons été ravis avec Alessandro de vous présenter ces recettes. On espère vous voir prochainement au Fairmont avec le chef de l'Horizon pour vous régaler, bien sûr. À très vite, à bientôt. Bye bye. Bye bye.